Et faut pas oublier le Bitcoin, nouveau record aussi. Le Bitcoin actuellement est à 82 000, j'allais dire 80 000. Non, ça c'était ce week-end, c'est déjà daté. 82 000 dollars pour un Bitcoin, toutes les valeurs associées aux cryptos en profitent sur le marché américain. Quel regard portez-vous sur ces plus hauts historiques aussi des cryptos ? Bah écoutez, on avait dit avant l'élection de Donald Trump que les cryptos étaient pro-Trump. Je dirais, il faut rappeler ici que Donald Trump a mis en avant dans sa campagne qu'il était pro-Bitcoin notamment, hein, et il disait notamment que c'était un bien et une défiance envers les institutions traditionnelles. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il a une énorme méfiance sur le système financier traditionnel. Il a aussi mis en avant la vie privée et la résistance à la surveillance. Il a aussi mis en avant le fait que c'était un énorme potentiel d'innovation et de croissance économique pour les États-Unis. Et enfin, il a aussi dit que ça permettait une réduction à la dépendance de la politique monétaire de la Fed. Donc un nouveau point d'achauffement, je dirais, avec Jérôme Powell. Et puis, évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'était aussi un soutien opportuniste, puisque vous avez plusieurs millions d'Américains qui ont des cryptos, du Bitcoin dans leur portefeuille. Donc, effectivement, ce qu'on voit ici, clairement, c'est que c'est un appel à Trump. On lui fait confiance sur sa prochaine réglementation ou déréglementation de l'univers des crypto-monnaies. Effectivement. Alors, le Bitcoin était sur un nouveau record. Donc, on le rappelle, 82 000 dollars. Les valeurs associées, Antoine, en profit. Coinbase, on gagne 12% encore aujourd'hui sur Coinbase. Voilà. Il a aussi promis Donald Trump de créer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Il y aurait la réserve stratégique de pétrole et puis la réserve stratégique de Bitcoin. Ça, ça peut être aussi une bonne nouvelle pour les mineurs, hein, ceux qui s'occupent de fabriquer, de miner le Bitcoin. On a Marathon Digital qui gagne 15,7% là. Hut 8, qui est aussi une des grandes majors du minage de Bitcoin, qui gagne 11,5%. Riot Platforms, qui gagne 14%. Enfin bref, tout va très bien. Effectivement, on en parlera d'ailleurs en fil rouge, hein, de ce Bitcoin qui bat de nouveaux records. L'Ethereum aussi, l'Ether qui suit, qui prend la roue du Bitcoin.